Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Breath of Fire version Game Boy Advance. La dernière fois, nous avons fait un petit donjon avec ce nouveau personnage qui est Nina, si je ne me trompe pas dans les prénoms. Nina, accompagnée de deux soldats. Et nous devions chercher un remède pour soigner le roi. Et nous sommes arrivés, après un petit donjon, ici, où a priori, les morts sont vivants. Voilà. C'est assez étrange. Alors, je vais quand même essayer de savoir où est-ce que je dois aller. Je pense que je dois aller au nord, enfin... Aller au nord serait une méthode plausible, mais j'en doute. Ah ah! Tiens, tiens, tiens! Des révélations dans les maisons! Ça révèle des choses, donc là on est la nuit, et c'est à ce moment-là que les morts reviennent. Ok. Karma. D'accord. Bon, bah là, je pense qu'on n'a pas de questions à se poser. Direction Karma. Je me trouve donc à l'ouest. Oh, une petite forêt. Ah, la petite forêt, les forêts, c'est génial parce que c'est les endroits où on se perd le plus facilement. C'est super génial. J'ai loupé des coffres. Ah, ils ont l'air un peu plus puissants que ceux que j'avais rencontrés au tout début du jeu. Les cerfs font 1000. A priori, non, finalement. Ah, un petit coffre. Les coffres, on n'oublie pas que c'est super important. En fait, ils sont nuls ces monstres, c'est les mêmes depuis une heure et quelques. J'obtiens de l'herbe. Ce coffre par contre avait une tête verte et étrange. Ok, une araignée tranquille qui pop. Là par contre ça devient un monstre un peu plus coriace, j'ai l'impression. Échec de l'attaque. Ça doit rapporter masse d'XP. 26 XP. Ouais, ça le fait. Ah là par contre, ouais. Critique à 82, tranquille, pépère. Ah ouais, ça fait quand même du 9 de dommage. Ça fait super mal. Critique 34, allez. On va aller au sud. J'adore me perdre. C'est une passion secrète. Ah, Nina, level 6. Eh bien, enfin, level up. Augmente chance a été appris. Bien. Ah bah, il y a un coffre. Un bandage. Qui me sert à... Ah c'est une pièce d'équipement. Ah ouais. Alors j'ai équipé le max pour le stuff trouvé sur Nina parce que je pense que ça doit se voir, mais c'est le perso qui va rejoindre notre équipe après. Je pense que ça se doit assez bien se voir. Thank you.
Pour l'instant, je récupère un max d'objets de statues sur lesquels je ne crache pas du tout. Gauche ou nord? Gauche ou nord? Gauche ou nord? Gauche ou nord? On va aller à gauche. C'est pas grave si j'oublie des coffres. Normalement, je devrais toujours tourner dans la même direction. Mais voilà. Oh, et 12! Et échec d'attaque. Parfait. Par contre, il y a un soldat qui est en train de se prendre la misère. Ah bah je suis sorti. Ok. Donc en fait là c'est une petite zone où je pourrais farmer. Sauf que non. Bon bah allons-y dans cette tour. Ah. Alors ah ça c'est cool, ça c'est bien. Ça c'est bien. Par contre là il y a l'air d'avoir un peu beaucoup de chemin. Et il y a de quoi farmer. Ouais donc ça m'est assez labyrinthique, il va falloir que je fasse un plan. Ok ouais donc ça fait le tour. Ah raté mon esquive, tant pis. Je retourne à la fontaine soigner les soldats et puis je monterai à l'étage. Ah, là il y a comme qu'il y a un fantôme. Il y a comme qu'il y a ennemi spécial même. Ouais, faut vraiment que j'aille me soigner là. Et un critique de la part du soldat. 52 XP, je trouve que c'est déjà pas mal. Ok, donc je crois que j'ai pas compris un truc là. Donc en fait, j'ai juste fait le tour pour un coffre. Super. Ah non, non, c'est bon. Donc hop, le soin. Par contre, je vais quand même aller prendre l'autre escalier. Autre escalier qui était là-bas.
Ah bah c'était pour... Ah bah. Pour un coffre. Tant mieux. Donc oui, il fallait bien aller sur le passage de l'escalier qui était bloqué par cet ennemi. On se soigne. On prie pour ne pas avoir de combat avant. Voilà, ça déjà c'est pas bon. Donc on fuit, ça marche. Et on va lui parler. D'accord. Alors. Non, ça c'est un. Ça c'est un petit monstre. C'est bon. Contre la mort. Non, très franchement, il n'y a pas besoin de. J'ai pas un sort d'attaque. Je vais augmenter la défense de tout le monde. T'as un zéro sort ces mecs. Servent à rien. Et pourtant je lui mets je vais quand même misère. Donc en fait petit monstre, même s'il a l'air d'avoir la barre de vie d'un boss, petit monstre. Normalement ce tour-ci c'est fini. Voilà. Petit monstre. Donc là on va se soigner. Je peux pas vraiment dire que c'était un boss ultra dur. C'était même un entraînement même. D'XP quand même, c'est quand même un loot non négociable et que je, sur lequel je ne peux pas me passer. Oh, il y a un petit rat, il y a un petit rat animé. Donc là, c'est là où je suis arrivé pour prendre le coffre juste en dessous. Ça, d'accord, j'avais compris. Je fais de la pure exploration là. Je sais pas où aller. Je vais quand même fuir de temps en temps parce que les combats c'est cool, hein, mais trop de combats ça tue un petit peu le game. Ok, donc là je redescends et il fallait que j'aille de l'autre côté parce qu'il y avait la mort. Thank you.
Et j'ai fait tout ça pour un combat, ouais. Non mais je jure quand même parce qu'il faut pas exagérer. Pour deux trous. Ok. Génial. Ah, la fuite n'a pas marché. Tant pis. Ah, poison, génial. Heureusement qu'on m'a droppé un max de fourmis. Nina, level 7, parfait, encore bien. Augmente attaque, bah elle apprend les sorts tous les levels. Alors, objet, fourmi. Bah tiens, celui-là. Waouh, incroyable. Alors, un coffre. Une herbe. Et là, il y a plein de trous. Celui-là. Ah, dans le trou de gauche, donc. Et c'était le trou de droite. Vous voyez les coffres. Au moins, je vais prendre plein. Une herbe. Deux herbes. Impec. Donc, c'était le trou de droite. Ah, je dois refaire tout le tour. Oh, sérieux. Du coup, là, ce que je vais faire, vu que je sais que si je retombe, voilà, je vais aller voir les coffres que j'ai oubliés. Donc là, normalement, il y a un coffre. Là, je vais me barrer. Que... Ah non, c'était de l'autre côté. Bon bah alors on va aller là. Ah, dommage. J'ai pas pu me barrer, je vais le regretter. Ah ah, il y avait un coffre, je le savais. Non, là, je le vois, par contre. Donc, je disais, un charme, qu'est-ce que c'est? Ah, charme là. Ok. Donc juste pour retrouver un statut de perso, ben normal. Et en plus je crois que ça coûte cher ces trucs. Donc en trouver un c'est 500 ou 200 d'économiser. Merde, j'étais qui deux fois le même. Crétin. Ah c'est bon, il attaque un des deux au pif. Je pense que le seul petit défaut que je mettrais au jeu, c'est qu'il y a beaucoup trop de combats aléatoires. Ouah, 30. Thank you.
Bah ben voilà, je sens, on va tous se soigner. On va ranger déjà. Voilà, vu le nombre d'herbes que je possède, je peux me permettre de me soigner. Donc là, c'est le droit, c'est le trou de droite. Voilà. Et donc on remonte. On fait bien le grand tour du trou. Et on y arrive. On y arrive lentement, on y arrive. Bon, je rate une première fois. C'est trop bien. C'est super trop cool. Voilà. Et donc là. Ah, on a la mort. Alors par contre, si je descends là, il se passe quoi? Ah, c'est peut-être pour un coffre. Ouais, exactement. Vide, ça doit être un item. C'est quoi ça? Les objets vitaux. On n'est pas. Soit l'état anormal. Soit les. Ah, ok. Pas mal, pas mal. Un item assez assez puissant là. Donc la mort puissance 2. On va se remettre un petit coup d'herbe parce qu'on aime ça. Non, pas toi. Toi et toi. Du coup là on va ranger. On gagne de la place, on optimise. Salut. À ton frère. Vous avez la même gueule. Ah non, Mortea est mort. Pas le même nom. Ah ah, du soin. Vite, beaucoup de soins pour moi au prochain tour. Du 20 de dégâts par attaque, ça fait mal. Et encore, j'ai pas l'impression. Ouf, esquive. Et un critique juste derrière. Midlife pour l'instant. Pour l'instant, c'est rare qu'il peut mettre un 20 de dégâts au cac. Je retire ce que j'ai dit. Critique de 14 pour le soldat. Là, il faut que je soigne le soldat prochain tour. Heureusement que j'ai l'avantage sur sur initiative grâce à Nina. Par contre, soin pour elle au prochain tour. Normalement, là, soit elle meurt là, soit au prochain tour. Je peux prendre le risque. Ah putain! À mort. Ah non, il a envie. Ah non. Ah, étourdi. Ok. Et il revient avec un vital. Ok, donc vie agit comme une plume de phénix. Putain. Et là, c'est le boss fight. Tout le monde a ses points de vie. Ok. Ça sert à quoi? Ok, le pont ne revient pas. Très bien. Ok, mais il y a quoi en haut? Oh, ça c'est cool.
Ça, tu vois, c'était cool. Et il y a un point de sauvegarde. Allez. Et du coup, grâce au point de sauvegarde, et ben c'est cool. Allez, je continue. On va combattre le magot. Vous obtenez soin, c'est pas ce que je voulais. Le bar. Le boss. Je déjecte. Au pire, j'ai fait une sauvegarde. Donc du coup, c'est pas grave si je meurs. À moins que ce soit scripté. Ouais non, c'est ce que je pensais. Là, la mort est scriptée. Je lui enlève 0 de dégâts. Ah non, c'était pas scripté. Si c'était scripté. Ok, la joie. Eh ben, j'ai bien dormi, moi. Oui. Allons-y à l'assaut. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ah, ils sont là. Ah ouais, t'es comme ça, poteau.
C'est pas de l'autre côté. Vous faites tout le tour? Ouais, vous faites tout le tour. Salut les copains de dragon. Tranquille, hein. Bah moi je passe et les autres ils se fight. Ok. Et je suis tout seul. Bordel. Eh mais t'es quand même avec moi toi. Il est avec moi. Il est avec moi. Ouais. Tu gères poteau. Oui. Allez, on y va. Ah bizarrement, il n'y a pas de monstre là. Ah. Enfoiré. Espèce de faible, même. J'ai envie de dire espèce de faible. Putain. Ça, c'est du gros mob. 10. Très bien. C'est tout à fait legit, dis donc. Je vais décéder dans ma chiasse. Bon, déjà, je vais tuer un triste. Ce que j'aurais dû faire avant. Et là j'utilise une herbe. J'ai bien fait de prendre la max d'herbe. Et j'ai aucune compétition. J'ai aucune attaque que je puisse utiliser. Aucune attaque magique, rien, j'ai pas de sort. Déjecté, bah putain. Bon, bah il me faut du soin. Voilà. Un coffre avec. Ah, ça c'est cool. Un fleuret. Oh oui, c'est une arme. Ouh, ça va chier. Génial. Là, j'ai une attaque qui va m'augmenter de 6 points. Ça va faire du dégât. Ah mais c'est un boomerang. C'est une arme de zone. Ça c'est cool tu vois. Bon ça c'est attaque auto quoi. C'est le problème. Mais ça va, j'aime. Une herbe. Bah, parfait, c'est ton arbre qui va me soigner. Allez. On fait le boss. Bonjour. Alors, est-ce que déjà je peux t'attaquer en te causant du dégât? Critique. Je peux complètement t'attaquer sans objet. Tonnerre, par contre là j'aurais dû me soigner. Prochain tour faut que je me soigne. Pétrifie, ça te sert à quoi? C'est soin plutôt. Non, c'est... En fait j'aurais pu utiliser c'est sans objet de combat que je peux te défoncer. Voilà, c'était un combat nul, un boss nul, et je level up au level 10. Est-ce que j'ai une capacité qui s'est débloquée? Non. Vous recevez le remède. Wouh! Trop la joie. Ah oui. Oui, rentrons, rentrons.
Ramène-moi, ouais, c'est bien. Et ben voilà, ça va. C'était un petit donjon un peu complexe. J'aurais dû deviner par contre la mort scriptée. J'aurais dû la deviner. Mais je ne l'ai pas deviné comme un gros sac. Pourquoi t'as tourné en fait là? J'ai pas compris. Arrête de tourner. Oui, vous êtes content, vous avez battu les méchants méchants. Je sais plus où se trouve la chambre du roi, moi. Trop bien. C'est bon, il est pas là. Et il était en bas. Allô? Ah bah si, il bouge les yeux. Il pète la forme. Ah, c'est génial! Je parle! Attention! Ouais, Nina se joint au groupe! Ah, le deuxième personnage du jeu! Ouais, yeah, au bout de 2 heures et quelques. Ça, c'est cool. Bien, et ben, je vais sauvegarder et ensuite je me barrerai de la ville. Il est où l'escalier? Il est là. Il est là. Bon, bah, c'était. Je dirais que ce qui a été le plus dur pour cet épisode, c'était quoi? La forêt, le donjon poil labyrinthique et la mort scriptée que j'aurais dû deviner, j'ai utilisé un objet pour rien. Sur ce, je vous remercie à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas comme d'habitude tout ce qui est like, abonnement, commentaire, partage de vidéos, etc. Merci à vous. Bon jeu et à la prochaine.